Bonjour, je suis en compagnie de Mercedes Castillo, qui est volontaire sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Mais ça n'est pas n'importe quel volontaire, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la directrice de l'Office de tourisme de République dominicaine. Alors Mercedes, pourquoi avez-vous choisi d'être volontaire? Bonjour à tous. Il y a 3 ans, quand le Comité olympique international avait publié cette recherche de volontaires au niveau mondial, pour moi c'était, j'ai répondu oui, parce que pour moi c'était une évidence. C'était une évidence, Paris c'est ma ville de cœur, donc pour moi c'était une évidence que je devais faire partie des Jeux et vraiment j'avais cette volonté d'aider. Alors quelles vont être vos missions durant les Jeux? Alors, pour les Jeux, j'avais appliqué, parce que c'est vrai que c'était un long questionnaire, ça nous a fallu, il nous a fallu au moins 4 heures pour les remplir, et ensuite il y avait des relances, etc. Et au début, mon objectif c'était les Paralympiques. Je voulais vraiment aider, participer aux Jeux Olympiques, et surtout les Paralympiques. Ensuite, une fois que ma candidature a été acceptée, il y a d'autres missions qui se sont rajoutées, donc je serai aussi au Marathon pour tous. C'est la première fois, si Jeux Olympiques, où n'importe qui sera, qui a gagné son brassard, bien sûr, son dossard, participera à faire les marathons avec des athlètes. Parce qu'il y aura des athlètes aussi qui vont participer. Donc j'ai aussi une deuxième mission dans les Jeux Olympiques, ça sera dans les Yvelines, et là ça sera autour des cyclistes, pour la sécurité. Et également, vous serez sur les Jeux Paralympiques. Je serai sur les Paralympiques, je tenais absolument à y être. Et là, je serai toute la semaine. Donc, je serai, il y a différents noms pour les sites, je serai dans les sud de Paris. Et puis, vous allez aussi supporter la grande championne, Marie-Lady Paulino, sur le 400 mètres, qui a de bonnes chances, de très bonnes chances même de médaille. Oui, ça fait déjà quelques années que moi, je suis Marie-Lady. Dans d'autres compétitions et là je suis vraiment très très fière et j'ai beaucoup d'espoir car c'est pas que la médaille Marie-Lady, elle représente, elle va donner une joie à tout un pays. Merci beaucoup. À bientôt.